Yo les gars, c'est Ozia, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la Sigma Clan, donc j'espère qu'elle vous fera plaisir. Je suis vraiment très heureux de vous proposer cette vidéo. Donc en tout cas, je vais me présenter parce que c'est la première fois que je passe sur la Sigma. C'est Ozia, Ozia qui est la nouvelle recrue de la team. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas, je suis nouveau dans la Sigma, donc je me présente, je m'appelle Ozia et je suis un ancien joueur compétitif. Je me suis lancé dans la perf il y a pas très longtemps et j'ai rejoint la Sigma Clan en tant que player, donc je suis une des dernières recrues de la Sigma Clan. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la check, aller dans la description, donc n'hésitez pas à aller la check, ça me ferait énormément plaisir. Je propose des vidéos en tout genre sur Call of Duty, etc. N'hésitez pas à aller la check, ça me ferait super plaisir. Donc en tout cas les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay fait par moi-même en fait, sur BO3 à la Vesper en G6. Donc c'est une double nucléaire, donc en 60 GS qui est égal à une double nucléaire. Car oui, Trist m'avait lancé un défi en fait à la con à 2h du mat, je crois. Il m'avait dit que si je rentrais pas le gameplay avant 4h du mat, et bah je me faisais kick de la Sigma tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est super cool l'ambiance dans Sigma. Et franchement, Trist, merci à toi, parce que sans toi, j'aurais pas rentré le gameplay. Parce que j'ai envie de jouer à la Manoir ce soir-là, donc franchement, merci à toi. Donc ouais, donc on était en G6 avec des abonnés, donc c'est pour ça que ce gameplay il est plutôt pas mal. Puisqu'on était avec des abonnés, et puis je rentre une double nucléaire à la Vesper alors que j'avais pas beaucoup d'accessoires. Et voilà, du coup, c'est pour ça que c'était plutôt cool. Franchement, la Vesper elle est pas si dégueulasse que ça, elle est vraiment sous-cotée. Donc pour ma classe, c'était une Vesper poignée ergo, poignée, et en atout, j'avais post-combustion, surcalençage, pillard, masse tactique et un C4. Donc oui, il manque un accessoire sur la classe, mais j'avais l'arme niveau 8, je crois, quand j'ai fait le gameplay. Et donc du coup, j'avais rien débloqué, donc je pouvais rien mettre sur la classe en fait. Et puis j'ai réussi à mettre un gameplay quand même, du coup j'étais vraiment très étonné, ça me fait super plaisir. Et puis sinon, je vais vous mettre maintenant à l'écran la classe que je vous conseille, vraiment la classe, une classe pour moi qui est une des plus fortes, enfin qui est la meilleure à la Vesper. Donc ça sera une poignée, chargeur camp de cap, canon long, pillard, post-combustion sur canonçage et un petit C4. Donc franchement, cette classe là elle est OP, c'est la classe que je trouve la mieux pour la Vesper. Donc pourquoi? Parce que vous savez très bien que la Vesper a une très grande cadence de tir et les balles se vident très vite. Donc c'est pour ça que le chargeur de cap il est hyper important pour prendre plusieurs duels à la suite sans avoir besoin de recharger. Parce que franchement là, tu dois prendre avec un chargeur de cap, tu dois prendre max, vraiment max 3 duels, et encore en vraiment sans loucher, parce que vraiment elle vide très vite ses balles. Et donc pour la poignée, c'est pour la stabilité, pour le minimum de longshot que vous prendrez. Je vous expliquerai après que les longshot, voilà, que c'est pas trop le feu, mais il faut vraiment la poignée parce que c'est très important. Et le canon long justement pour les duels à, comment dire, longue distance, puisqu'elle a vraiment une courte portée, donc vraiment même une mi-distance ça va affluer avec le canon long. Donc vraiment les pertes de balles vont être énormes s'il n'y a pas de canon long. Donc faut vraiment le canon long parce que ça va être super utile pour éviter de mettre trop de balles, etc. Donc je vais vous montrer aujourd'hui que la Vesper elle est vraiment très cheat, mais que forcément elle est très cheat mais à courte portée comme vous savez tous, donc faut vraiment savoir jouer avec. Donc la Vesper elle se joue avec des moves de pompe en fait, je sais pas comment trop vous dire, c'est vraiment faire comme si vous avez un pompe dans les mains, donc un KRM, Haymaker, tout ce que vous voulez, et se déplacer comme ça et éviter vraiment les lignes droites, comment dire, les endroits où vous n'avez pas de cover, tout ça. Mais il faut se déplacer comme en ayant des moves de pompe, mais en ayant des moves de SMG aussi. Je sais pas si vous voyez, genre faut vraiment, parce que vous avez forcément une mitraille dans les mains, du coup vous pourrez prendre quand même des duels à courte portée, au pompe c'est vraiment encore à corps, sinon vous mettez des marqueurs. Vraiment bien se déplacer, il faut avoir de l'intelligence de jeu pour jouer à cette arme, parce que faut pas rush comme un guignol, sinon c'est sûr vous allez donner des free kills, vous allez faire un chicken, ça sert à rien, vous allez être en négatif, vous allez péter les câbles. Donc faut vraiment réfléchir avec cette arme et faire gaffe à ce que vous faites, et franchement elle sera terrible, parce que c'est l'arme la plus puissante au corps à corps, à courte portée, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Et personne ne pourra me contredire là-dessus, parce qu'elle a la meilleure cadence et les meilleurs dégâts. C'est un truc de malade, cette arme, elle est trop cheatée. Et c'est ça qui fait sa force. Donc faudra faire en sorte d'avoir que des duels à courte portée. Et ça, cette arme, elle sera tout simplement une tuerie. Ça sera une manoir à courte portée en fait. Et vous savez très bien que la manoir, elle est très forte à longue distance et à mi-distance. Et à courte portée, elle est un peu plus chiante, puisque c'est une AR forcément. Et du coup, les AR à courte portée, c'est très dur d'utilisation. Et là, en fait, c'est
l'inverse. Elle va être forte à courte distance et au corps à corps pour la Vesper. Et ça sera la plus cheatée dans sa catégorie d'armes. Et dans ce rôle-là, ça sera la plus cheatée. Et donc, il faudra aussi apprendre à gérer son spray. Donc, un spray, c'est quoi? C'est la fonction. En fait, quand vous êtes en full shoot, vous arrêtez pas de tirer. L'arme va faire, comment dire, un tracé. Donc, c'est comme sur CSGO, en fait, ça va faire un spray, en fait. Et donc, de toute façon, vous verrez au montage des petites séquences du spray de la Vesper. Donc, le spray est vraiment très aléatoire. Mais pour le contrôler, contrôler le spray en full shoot, c'est vraiment très facile, en fait. C'est un truc qu'il faut prendre. En jouant avec la Vesper, vous y arriverez, c'est sûr, c'est obligé. Et c'est pour ça que ce qui fait qu'en fait la Vesper est très facile d'utilisation, puisque son spray est très facilement gérable, et sa puissance, elle est énorme. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette classe. Essayez-la et dites-moi vos feedbacks dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi les points positifs et les points négatifs que vous retrouvez par rapport à cette classe. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté le gameplay, tout ça, je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne de la Sigma Clan, ça fait hyper plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous, ça nous hype de fou et ça nous hype pour sortir du bon contenu et de nouvelles vidéos. En tout cas les gars, c'était Eusia. Peace.